Putain, c'est bien ici. Eh ben. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah ben, c'est Vincent Sacomano. Eh ben, moi, je suis Yuno Walamsey. Ils m'ont laissé rentrer, c'était pas gagné, mais ils ont dit ouais, va le voir. Ouais, faudrait que je vois quand même comment t'as laissé rentrer. En fait, c'est la stagiaire, tu sais, la standardiste, qui m'a fait rentrer. Ouais. Parce que j'ai une histoire avec elle. C'est pas possible, elle a meilleur goût que ça. Tu me traites de menteur? Non, un peu mytho, quoi. Tu connais la com? Bah bien sûr que je connais la com, je suis un enfant de la com, moi. Attends, tu connais la com ou tu connais uniquement les filles de la com? J'avoue que je suis assez intéressé par cet aspect de la com. Ouais, c'est pour ça que t'aimes la com. Ah bah ça se voit tout de suite dans le jeu. Mais non, je connais la communication, le dialogue, les rencontres humaines, et plus y affinité. Tu sais, c'est Creative Link qui m'envoie. Ouais, je les connais bien. J'ai un CDD, tu vois, donc je dois interviewer les pontes de la pub. Et t'en as trouvé? Bah et tout, il y en a un en face de moi, toi aussi. Arrête, c'est trop. Non mais c'est vrai. Et alors ils font de la formation aussi sur le digital parce que c'est le truc qui marche en ce moment. Ah sympa. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils font à Dagobert? Bah ce qu'ils font à Dagobert, ils font plein de trucs dans le digital, des sites, des applis, tout ce qu'il faut pour que ce soit super sympa et digital. Tu sais ce que c'est le digital? Oui je sais, me prends pas pour un con. Alors donc oui tu fais du digital mais encore. Bah digital c'est des mecs qui sont un peu sapés comme toi, tu vois, et qui font des jolis dessins, qui font des sites, des applis, qui font des trucs plutôt sympas. Ouais. Et Dagobert c'est juste dingue parce que on sait faire ça et on sait faire aussi tout ce qu'il faut pour les marques, pour que les marques comptent. Et ici, tu as une équipe de malades mentaux qui font des campagnes, qui font des lancements, des sites, des applis, tout ce qu'il faut pour qu'une marque fonctionne bien sur le digital. En tout cas, on n'a pas appris grand-chose avec toi là. Hein. Ouais, bah tu sais, je suis le boss, hein. Je suis pas là non plus pour vendre le truc, moi je suis là que pour présenter. T'es pas un créatif ? Non, bah tu vois comment je suis sapé. C'est pas très créatif. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon, toi, ton parcours, c'est quoi ? Ah ben, mon parcours, bah, écoute, j'ai commencé dans le marketing. Donc, tu as fait des études, en fait, pour vendre des bananes, c'est ça? Exactement, ouais. Mais comme j'ai pas réussi en banane ni en café, bah, je me suis dit, le web, c'est plutôt sympa. D'accord. Écoute, la com, c'est sympa. T'as été pistonné ou bien? Non, j'ai pas été pistonné. Attends, c'est pire que ça. Tu vois, je suis rentré dans une agence et c'est là où j'ai entendu parler de Dagobert parce que c'était mes concurrents. Ils m'ont emmerdé, tu peux pas savoir. Ils sont venus me piquer des clients, ils sont venus me piquer des salariés, etc. Ok. J'avais vraiment la haine contre eux. Ça t'a mis le seum, en fait? Ça m'a mis ça, c'est ça, ouais. Tu parles jeune, sans plus. Hein. Et puis voilà, par hasard, etc. Ils ont eu des nouveaux actionnaires à un moment T, en 2013. Et puis ces nouveaux actionnaires m'ont demandé si je voulais venir chez Dagobert. À quoi tu sers là-dedans? Bah, à quoi je sers? L'aspect frontal de ma question, mais qu'est-ce que tu fais vraiment au quotidien dans cette boîte? Bah, ce que je fais dans cette boîte, déjà, je fais des interviews, tu vois. Oui. Ouais, ça me prend bien la moitié de mes journées. D'accord. Okay. Et puis après, je vais voir un petit peu ce que font les équipes, j'accueille les freelances, j'accueille les nouveaux salariés. Tu vois, c'est une sorte de géo, quoi. Comment on les appelle, les gens qui regardent le web? Ce sont des... Des internautes. Des internautes, c'est ouais, ça? Ouais, ou des mobinautes, tu sais. Maintenant, il y a aussi des trucs portables. Mobinautes? Tu vois, tu m'as appris un truc, mais tous les Vincent. Jours, tu sais. Il n'y a pas que Creative Link qui fait des formations. Hein. Non, mais attends, tu fais le malin, mais t'en as fait une, toi? De formation sur le digital? Ouais. Sur le tas, comme on dit, monsieur. Ouais, sur le tas, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, toi, tu diriges et les autres bossent, quoi, c'est ça? Ah, ça, c'est vraiment la définition de mon boulot, t'as raison. Pour refaire un petit peu kiffer tout le monde, c'est qui vos clients, là? On en a beaucoup de clients, tu sais. On a des clients dans le monde de la banque, on travaille beaucoup avec BNP, on travaille avec Société Générale, d'accord. On travaille avec des clients dans le food, on travaille notamment avec Danone. D'accord, et puis, on travaille avec d'autres marques dans le monde des services, avec Sodexo notamment, Necotrans. Beaucoup de clients très intéressants. On n'est pas sur un seul secteur. Nous, on aime bien parler à des clients qui ne sont pas seulement sur le luxe ou seulement sur un secteur, tu vois. Sinon, c'est chiant. Bah, sinon, tu t'ennuies, quoi. T'es un bon, Vincent. Tu peux nous donner un petit tuyau sur la différence qu'il y a entre Dagobert par rapport à la concurrence? C'est quoi qui vous distingue? Mais c'est simple, c'est incomparable, c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa. C'est ça, plus c'est réactif. Sûr. Ça, ça l'est. Hey, ça se voit, non? C'est une équipe de seniors sur le digital. Et puis, voilà, nous, on respecte nos clients, on les aime bien. Et puis, en plus, on a des collaborateurs qui sont passionnés. Que ce soit les collaborateurs salariés ou les collaborateurs freelance qui nous rejoignent. Et les freelance, on les accueille bien, si tu veux, parce que bah, ici, ça nous apporte de la fraîcheur, de la nouveauté, donc ça marche bien. Est-ce que ça paye bien? Ça paye bien quoi? Ben, c'est votre activité. Ah, écoute, ça paye bien, ça paye, ça a eu payé, tu vois. Ah oui. Ça a eu payé. Oui. Et puis comme on est raisonnable, les clients restent... Eh, non mais tu t'en fous? Non mais ça a l'air d'aller quand même pour... tu dis ça a eu payé, mais bon, c'est ah bien. Ah non, mais ici, tout a été mis dans les locaux. D'accord, ok, tu très vois, bien. Et puis un peu dans les freelances. D'accord. Il paraît que t'aimes le baby-foot, même si t'es nul.
Comment ça, je suis nul au baby-foot? Qui t'a dit ça? Bah, tes collaborateurs. Tu plaisantes ou quoi? Je suis un dieu vivant du baby-foot. D'accord, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais c'est de la jalousie, ça. Tu sais, les collaborateurs, c'est toujours comme ça. Il leur faut toujours un petit truc contre le boss. Et ben là, il n'y a que le baby-foot, tu vois. Il n'est pas très crédible, là. Moi, je suis sûr que je te mets une raclée. Attends, non, mais fais-moi rire, quoi. Tu veux qu'on y aille? Tu veux que je te fasse voir? Regarde, c'est juste là-bas. Ok, allez, on y va. Allez, attends, je suis sûr que je vais te battre. Fifi, tu vas filmer ça, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas?